Oui, bien sûr. Attends, bébé, attends. Ça m'apprendra à faire la trou vite fait, bien fait. Salut à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, m'allez bien, merci. Alors dans cette vidéo, nous les partis à la convention de Metz pendant 3 jours d'affilée. Et ensuite, nous l'a pris la route pour descendre à Perpignan. Donc on a beaucoup roulé. Bah voilà, il laisse à sa table. Ouais, confession. Bon visionnage de la vidéo. On nous retrouve à la fin de la vidéo. Bisous. Allez, bye. Enfin arrivé. Il y a un diamant à faire. Ouais, faut faire l'enregistrement. Allô? Héloïse aussi, du coup? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. This life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. La partie commune à toutes ses formes conjuguées. Regarde, oui, les terminaisons sont et. Morning, yes sir. Hi guys. Aujourd'hui, dit la laqueuse anglais avec El Tan Moon. C'est un salon tatoueur de international. Il n'y a pas que nous qui sommes de loin. Léna de l'Angleterre, Tahiti, Martinique, Allemand et pas que ça. La Mauricienne. Non. Maurice, c'est que Dylan et Colin qui représentent Maurice. Mais voilà, Réunion là. La Réunion là. Force. Je suis contente, je suis fière parce que. Qui ça, ben, elle sort, pourquoi on vient en force? Oui, on pensait pas que d'une convention comme ça à Metz. Metz. Nous n'aurait rencontré. Elle est seule, pourquoi on dit plusieurs? Non, la danseuse cracheuse de feu. Elle est réunionnaise, elle vient du port. J'ai oublié. On a fait des photos et tout avec elle. Et on a un stand. En plus, c'est juste à côté de nous. Ça veut dire notre stand est là. Et ben, elle est dans l'autre partie opposée. Et la femme est une réunionnaise. Elle est avec un Martiniquais. Ouais. Elle est incroyable. La Réunion, elle est là à Metz. Représente à Metz.
Un messe. Comme c'est la messe, tu penses à messe. On a fini là au fort du bâtiment. Par contre, on a les sérieux ici. Ok, nous laissons le parking et maintenant la zone. Quand c'est la fermeture. C'est la fermeture. Il rigole pas. Et il est pas comme la réunion, hein, ma fille Colin avec Colin, moi. Ouais. La réunion, Colin avait 20h des fermetures, Colin était prêt à 20h15. Ah oui, bon, allez, c'est strict. Mais trouve qu'il manque de ventilateur dans mon. Oh, purée! Fucking shit! Carglass répare, Carglass remplace. Parce que les graviers la pètent le pare-brise. Aïe, baisse donc! C'est un Chevrolet. Aïe, baisse donc! Toche ta maman! En tout cas, moi j'ai bien aimé la journée. C'était pas trop fatigante. Ok, toi, bah, t'es content, hein. Ça va parce que c'était que l'après-midi. Peut-être demain me sera vraiment fatigué parce que c'est le matin jusqu'à. Et demain, j'ai une petite question, hein, pause de pub, une petite question pour toi. Comment tu comptes faire le matin? Comme aujourd'hui là? Ouais, tranquille. Après-midi, viens à pied avec Eloise. Ok, si tu viens à pied, ok. Si tu viens à pied. Ah, demain 8h moins. Il est rentré avec ça? Ouais, demain matin 8h moins là. Moi. Il m'a appelé aussi. Vous savez, il faut rentrer par là. Ouais, moi je suis tout le long là. Comme. Coucou tout le monde, c'est parti pour le deuxième jour de convention de tatouage. Je suis déjà fatiguée. J'ai passé trop vite. C'est le dernier jour. Ouais. Après on passe à autre chose. Gros ouais, bisous ma Nunise d'amour, tati aussi veut te faire un gros câlin, je t'aime ma chérie, bonne journée. Attends maman, t'as montré mon tatouage. Hier Louisa a fait un tatouage éphémère, elle a beaucoup souffert. Oui. Mon écou. Ça a coûté 292 euros. Tonton, j'ai un tatouage, ben, c'est tout le corps, un tatouage, 212 euros. 212 euros, c'est une petite affaire. 212. Ça c'est 200 euros ça là. 200 euros. Oui, couleur, tout comme ça dedans, même taille, 200 euros. 200 euros un tatouage. C'est cher. Ça y est, c'est le moment de ranger tout ça. Tu as déjà bien commencé de ranger. Encore plein de choses pour ranger. Là-bas sur le podium, il est en train de distribuer les prix des meilleurs tatouages. Il donne des fruits là, ça. Des prix. Ah. J'ai bu de voix. Et puis, ben voilà. Ouais, mais arrête de filmer bien là où. Ça y est, la valise est remplie, hein? La voiture est remplie. Nous s'arrête à manger, nous rentre à l'hôtel, nous dort parce que on est crevé. Demain c'est une autre grande journée qui nous attend. Et puis voilà, ben au revoir Metz, au revoir le salon, au revoir la convention, au revoir, salon. Au revoir tous les tatoueurs, au revoir tout le monde, bye bye. Allez bye. Alors, récapitulons. Hier soir, la convention l'est finie. Nous l'a dormi dans l'hôtel à Metz. Ce matin, nous a réveillé bonheur pour sortir. On a pris le petit déjeuner avant à l'hôtel. Donc, on a sorti de Metz. Il nous a descendu jusqu'à où ça nous est? Là, actuellement. Moi. Val-sur-Saône. Nous l'est à Val-sur-Saône. Donc nous avons fait à peu près 3 heures de route. Et nous ça va direction Perpignan. Donc là il reste à nous encore 5 heures de route. Ouais, 5 heures de route. Là-bas 20 heures, frère. Nous ça arrive très tard. Parce que déjà on a sorti très tard de Metz. Après la. Mestre. Oh mais c'est pas. Messe, la messe. Alléluia, la messe.
C'est le S avec le Z qui fait que midi médiza. Ben, il n'y a pas de S déjà. Ah bon? Non. Ouais. Le Z. Il y a un Z, mais il n'y a pas de S. C'est ça, médiza. Dans ma carte, regarde maman. Ben, pourquoi on dit ça alors? Ben, il ne prononce pas le Z. Donc, ça qui ben, est... si, on dit mez. 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 Mais voilà. Le T ou ça ou mez? C'est compliqué. Le T ou ça ou mez? Non, c'est compliqué. Mez, mez, voilà. Le mot est écrit M-E-T-Z. Bref, on a quitté Metz et on va à Perpignan. Voilà, pour une semaine à peu près. Il n'a pas roulé là, oui. Il stresse à moi. On a mangé dans un horaire de repos dans une station. N'était pas trop bon le repas. Il était très cher le repas. Moi, mon repas, j'ai trop aimé moi. Ouais, moi aussi. En plus, c'est cher. Non, mais les chiens m'ont bien mangé. Nous attendons Colin et Clem que l'entrain gonfler la roue des autres voitures de location. Voilà, Colin y remet son pantalon. Et on regarde devant derrière. C'est bon, on peut y aller. Hein? Voilà, comme ça, lave les mains. Et après, on prend la route. Ouais, il fait super chaud. Il fait 35 degrés. Ça va. On a connu 43. Il fait 35 degrés. Hey, ça va, monte à ton tapé. Il fait 35. Il m'a fait 40 degrés. Dans 10 minutes, on arrive enfin à destination. Là, on est on à Perpignan, à Barcelona. On n'en peut plus de la route. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'en peut plus de la route. Péage devant, nous a payé. On va payer la bonne. Pardon, la bonne queue. Hein? Ouais, ticket. Normalement, il est automatique, ça, là, mais quoi? Mais essaye quand même. Combien on va dépenser? On va claquer. Est-ce qu'on va se couper un bras ou deux bras? On va se coincer la carte. Ou deux jambes. Détestement. 46 euros. 90 centimes. Wow. 46 euros, dit. On est arrivé. Le cottage de Perpignan. Les cottages. C'est plusieurs. Oh, oh là là, il faut mettre le code. Waouh, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Alors, par quoi commencer? Bon, déjà, nous l'est bien arrivé dans le bungalow. On est en train d'évider la voiture pour mettre toutes nos affaires. Après, ben là, comme il fait nuit, demain, maman va bien filmer le bungalow. Nous arrive dans le bungalow, nous visite et tout, et nous constate que sur le lit n'a pas de drap ni de thé d'oreiller. Et comme c'est la première fois que nous mettons les pieds dans un camping de notre vie, nous ne connaissons pas comment il fonctionne un camping, mais nous connaissons. Voilà, donc quand tu réserves un camping, soit tu payes en plus pour avoir le drap et la thé d'oreiller et les serviettes. Sauf que nous, quand on a réservé, Dylan, il n'a pas réservé le truc en plus. Donc, quand on l'a arrivé, nous l'a eu l'agréable surprise de voir que sur les lits, il n'y avait pas de drap et de thé d'oreiller et ni de serviettes. Et on a trouvé ça bizarre parce que bonne Colin, Zoz l'a eu, des serviettes et des thés d'oreiller sur le lit. Et après Colin il dit si, quand il a réservé en ligne, il a vu qu'il y avait un truc. C'est pas Parrain qui a dit, c'est le monsieur. Oui mais Parrain l'a dit avec papa après, que c'est vrai que quand il a payé en ligne sur la réservation, il a payé un truc en plus, ben, c'était ça. Et du coup, le vigile, la sécurité du camping, là, il est sympa, il est gentil parce qu'il a dit non, ne vous inquiétez pas, je vais chercher des draps et des thés d'oreiller. Et pourtant, il est tard là. Mais il faudra
payer à l'accueil le truc en plus, les draps et tout. Il y a donné à nous des serviettes, sauf que il n'y a pas donné à nous, ça c'est pas des serviettes, c'est des tapis pour mettre sur le sol. Mais pense qu'il a cru donner à nous des serviettes. On a eu les draps, sauf que dans un, comment ça, dans un kit, on a le drap. Dans un kit où il y a le drap et les têtes d'oreiller. Non, pas un, une tête d'oreiller. Ben, ça veut dire que Héloïse, elle a sa tête d'oreiller. Et ici, il aura une seule tête d'oreiller. Donc, connaissant Dylan, sera moins bibi que va dormir avec un oreiller sans tête d'oreiller. C'est pas grave. Après, nous, on a une grosse couette là, mais il va pas servir à nous parce qu'il fait chaud. Parce qu'il a été douillé sans personne à dormir. C'est un gars là, oui, moi. Un moment donné, je fais banane, moi. Sérieux? Alors, Catherine Paul, il n'y a pas de drap sur le lit, quoi. Et alors, c'est un camping? Parce que c'est un hôtel? Genre, je sais pas, hein, c'est Lulu. Lulu, c'est une suquette quand même. Je sais plus dans la gueule. Beaucoup de chaussettes, la roule neuve, la figure, oui, on va voir si vous voulez. Je suis une artiste de la rue. Oh mon, entendu ça? Mon sol a craqué. Vous allez être choqués de ce que vous êtes en train de dire. Je suis curieuse. Il y a Léo quand même, je m'irrite. Il y a Léo, il y a Léo. Respire. T'es comme toute petite, ma belle. Dis-la. C'est quoi ça? Des chaussures. C'est un meuf pour ranger des trucs, papa. Et papa, t'as vu? Mettre là, je sais pas. Et allez là. Ça bouge pas. Demain, il faut lève, bon Dieu, demain, t'es. Quoi? Demain, il faut lève 5 heures. Demain, il fait la grasse matinée, bien. Grasse matinée? Grasse matinée? Et papa, demain matin, je vais à. Je suis en train de finir le vlog que j'étais en train de regarder et je constate qu'il n'y a pas la fin. Je croyais avoir filmé la fin, mais tout compte fait non. Donc il faut bien recommencer. J'espère que cette fois-ci ça va marcher. Alors, bon, on est bouché. Bah, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes très courageux d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Coucou Héloïse. Puis ben, on va retrouver la semaine prochaine pour la suite du vlog, nos aventures à Perpignan et à un autre endroit. Nous faisons de gros bisous, prends soin de Zot et nous retrouve. Bye bye, à la prochaine. À la prochaine, bisous.